Oh là là, merci d'avoir retenu ma candidature pour ce stage. Je suis hyper excité, vous pouvez pas savoir. Noble française. Bougez pas, bande de trous du cul, il est où ton patron, connasse? Il nous répond, vas-y, mais je sais pas, mais même si je savais, je vous dirais rien. Mais toi, là, réponds, il est où ton patron? Il m'a dit qu'il arrivait dans une heure, mais qu'avant, il devait s'arrêter à acheter des bonbons. Bravo, Simon, bravo, pas de solidarité. Premier jour en entreprise, on balance son boss. Ah oh, l'enculé. Caroncito. Allez, réunion! À part lire le journal intime de Simon à voix haute, qu'est-ce qu'on aime bien faire dans la vie? Ah, les tartes aux pommes! Oui, mais Chantal, racontez pas votre dimanche! Ah non, c'est parce que j'en ai fait trois ce week-end! Non, mais Chantal, on va pas faire un film sur les tartes aux pommes! Les diabétiques, ils vont faire comment? Sinon, ils vont pas se fondre la poire! Oh putain, elle est pas mal, ça l'a dit. Tiens, hey, Chantal, notez-la dans le dossier idée. T'es sûr? Non. Non, nous, ce qu'on veut, c'est faire un film sur ce que les gens aiment bien! Qu'est-ce qu'ils aiment bien, les gens? La musique! Ils aiment bien la musique, ils aiment bien les chanteurs, et ils aiment encore plus les chanteurs dans des films. Ça a été prouvé, ça. Regardez, Patrick Bruel dans Le Prénom, ça a cartonné. Dubosc avec Benabar, ça a cartonné. Comment elle s'appelle, l'autre, là, celle qui sait pas courir, là, Louane. Nous, ce qu'on veut, c'est un chanteur que même s'il chante mal, les gens, ils se disent, c'est pas grave, on va quand même le voir dans un film. Nous, ce qu'on veut, c'est... Non, ça, c'est rien. C'est un projet de film que j'ai pour la Hongrie. Oh, j'ai pas à me justifier, hein. Je bosse la nuit, moi. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est... Vianney. En plus, il est en taille réelle, ce con. Moi, je veux faire le biopic de Vianney. Je vois bien un titre, ça va s'appeler La Victime. Au début, on a avec Vianney, hein. Bon, il est au milieu d'un cerf, qui se prend des béquilles, des olives. Bon, c'est La Victime. À un moment donné, il arrive à se faufiler parce qu'il se faufile, le coquin. Il a du mollet, hein. Il se faufile comme ça. Là, il y a un mec, il le chope, il arrive à lui mettre un coup de ukulélé dans le fion parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et après, on voit comment Vianney est devenu Vianney. Mmh. Ouais, mais c'est pas ça, sa vie. Il va peut-être pas vouloir qu'on raconte des trucs comme ça. Mais on s'en fout, on ment, we lie. On s'en bat les couilles à la Trump. On va lui dire, c'est ça ta vie. Il va dire, c'est pas ça ma vie. On va lui dire, mais ta gueule, laisse-nous gérer, bim. Et puis on va lui dire qu'il a fait du kung-fu, du char à voile, et qu'après il a mangé beaucoup de soupe pour grandir, et que ça a pas super bien marché. Du coup, il a une revanche à prendre sur la vie. On romance. Sinon, Vianney, sans la romance, c'est juste un gars à qui on a envie de voler sa Canada Goose. Vous m'obligez à parler fort, parce que ça rentre pas dans mon tête. Ça sonne. Répondeur. Allô, Vianney, t'es où? Pas là. Bah oui, mais t'avais qu'à pas écrire cette merde aussi. Écoute, Vianney, toi tu me connais pas, mais moi je te connais. Et je peux te dire que cet été, on va tourner un film sur ta vie. Alors là, t'es en train de te dire pourquoi ta vie, qui s'intéresse? Bah écoute, moi aussi j'ai fait 1m30 une fois. J'ai de l'empathie pour toi. Alors dès cet après-midi, je t'envoie à ton adresse, que je me suis procuré par un livreur des livres où, attention, il balance ton scénario, une avance sur ton cachet et une tarte aux pommes. Bon. Bon, t'as intérêt à dire oui, sinon je te pète les deux genoux. Mais non, je déconne, mon lapin, hein, on est potos. Allez, je te laisse, là, j'ai une grosse lecture avec un super comédien, là. Comment il s'appelle, le super comédien, là? Martin Lamotte.